Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, comme vous avez vu dans la petite miniature, j'ai fait mon petit VG hier. J'ai pas trouvé grand chose. Un petit lot sympa. Rarement les prix, donc. Mais bon, quand je prends, c'est que c'est cool. Et dans ce petit lot, vous allez voir que je vais vous présenter. Il y aura sûrement quelques petits jeux que je ne garderai pas, donc éventuellement des échanges avec vous, pourquoi pas, vous me direz ça en dessous, vous me laisserez un petit commentaire. Allez, let's go, c'est parti. Bon, ben voilà, on va résumer le truc. Donc du coup, j'y suis allé sur les coups de 9h, 9h15, quelque chose comme ça, ouais. Et puis, ben, j'ai rencontré. j'ai trouvé un petit lot sympa de PS3. Alors je sais pas si je vous les montre dans un ordre ou dans le désordre, ou à savoir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 petits jeux et un DVD, un accessoire. Un autre accessoire, et je ne sais pas du tout ce que c'est, ça vient de boulanger, visiblement. C'est une sorte, ça je vais vous le montrer, c'est une sorte de clé USB, donc je regarderai ce qu'il y a dedans. Je sais absolument pas ce que c'est. Ouais, ou alors c'est, je sais pas, une clé Wi-Fi, je sais pas du tout. Enfin bref. Donc du coup, on va revenir à nos moutons, et puis c'est parti. Bon, et ben je vais commencer par le petit DVD. Donc qui était évidemment avec ce lot, parce que j'ai fait le petit tour, il y avait quoi, une trentaine d'exposants. Il faut savoir que chez nous dans le sud en ce moment, il y a pas mal de vent, c'est venteux. Encore là, ça s'est calmé, donc ça va, c'est bien cool, il y a de la lumière. Donc du coup, dans ce petit lot, donc sur un seul stand, j'ai trouvé un petit Pixar. Donc c'est plein de petits courts-métrages, mais généralement, vous voyez, tu vois, c'est les petits courts-métrages que tu peux voir facilement à la fin de chaque Pixar ou avant les Pixar. Donc du coup, ils ont dû faire un petit collage parce que là, c'est le volume 1. Hein, donc c'est sympa, on se regardera ça tranquillement. Et puis du coup, on est parti. Allez, go! Alors, donc du coup, alors à savoir que dans ces petits jeux, il y avait d'autres jeux. Il y avait des jeux de sport, je crois, il y avait tous les FIFA que j'ai donné à un camarade à moi qui avait son petit stand, donc moi je lui dis j'en ferai rien. Si tu les veux et que ça peut faire plaisir à quelqu'un, je te les donne. Il les a pris. Et il y avait aussi un Ratchet & Clank, le premier, mais en version Platinum. Pareil, moi j'en fais rien, donc je lui ai laissé. Lui était content. Donc du coup, on commence avec un Need for Speed Hot Pursuit que j'ai déjà. Malheureusement, mais. Alors il est complet, sauf que dedans, malheureusement, c'est un petit GTA 5, donc du coup, pour le moment, je ne sais pas ce que je vais en faire. A voir par la suite, selon l'évolution de la chaîne, on ne sait jamais. Si j'atteins les 30. celui-là, je le ferai après. Il y en a un qui est pas, que je vois pas trop souvent. Donc celui-ci, un petit FIFA Street. Pareil, alors celui-ci j'ai envie de tester quand même parce que j'ai pas fait beaucoup de FIFA Street dans ma jeunesse. Et oui, parce que je suis vieux. Alors celui-ci, c'était sur la fin de vie de la PS3 où après ils enlevaient les notices. Où on avait un petit bout de papier d'ailleurs avec le Alice Madness. Le Alice sur PS3. Faut savoir que sa notice est comme ça. Voilà, donc celui-ci, il est complet. Tac, tic, touc. Donc, dans l'immédiat, celui-ci, je le garde. Ensuite, toc, qu'est-ce que je pourrais vous montrer, dans quel ordre? Ouais, alors, les petits Infinity, mais j'ai pas le support. Donc, pour le moment, je les garde, on sait jamais si je trouve les petites bases. Le Infinity Playout Limit 2.0. Donc ça, c'est une petite curiosité. J'avoue que j'avais bien aimé, vous allez vous foutre de moi, mais j'avais bien aimé jouer à l'époque au Skylander. Et je trouvais ça sympa. Donc il y a le 2.0 complet et le 3.0 complet. Donc du coup, ça, pour le moment, je les garde. De toute façon, sans les petits socles.
Je ne peux rien faire. Alors après, appris, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ouais, et puis je vais vous montrer ce que je vais faire. Attention, parce qu'il y a l'ami Sony Adventure qui risque de vous... qui va encore vouloir me ratisser. Ah, voilà. Alors celui-ci, je sais pas, j'ai un doute. Le Motorstorm, donc c'est un essentiel, donc pareil, en suspens. Je sais pas ce que j'en ferai. Mais bon, au cas où, hein, n'hésitez pas. Hein. Moi, j'aime bien tout ce qui est Super Nintendo, par-dessus tout, Mega Drive, un peu de PS1, après c'est au coup de cœur, donc franchement n'hésitez pas si vous avez des petits trucs à échange, éventuellement qu'un des jeux vous intéresse, vous me dites toujours, on sait jamais, on peut faire affaire. Donc du coup oui, le Apocalypse qui est complet, Wally Walou, je le pose là, celui-ci, alors, un farming... Simulator 2015. Ouais, je vous montre comme ça quand même. Voilà, tu vois, avec le petit zoom qui va bien. Est-ce que tu as le mal de mer? Donc, celui-ci, il est sympatoche. J'avoue, je me laisserais bien tenter. Je sais même pas, je crois que j'en ai peut-être un 2017 ou 2018, une connerie comme ça sur PS4, faut que je regarde. Après, un que je suis content d'avoir, parce que mine de rien... J'ai du mal à les retrouver, celle-là, les petits Little Big Planet 2. A savoir que j'en ai déjà... Je crois que j'ai le 3 en remaster sur PS4. Donc il est complet, celui-ci. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, ben, un que tout le monde a. Mais mine de rien, qui a pas l'air mal. Après, si c'est que du freestyle, ça risque de m'embêter un peu. Alors, c'est le... Je sais de pas l'écorcher. C'est le MX ATV Reflex. Bien dit. Voilà. Donc, à voir ce que ça donne. Pareil, celui-ci, je ne l'ai pas. Est-ce que j'aurai le coup de cœur par la suite? J'en ai aucune idée. Alors, un petit Rayman. Là, on rentre dans du bon. De toute façon, les Rayman, c'est une valeur sûre. Le premier, le Rayman Origin. Franchement, il est top. Je crois que je l'ai, celui-là. Déjà. Voilà, il est complet. Et évidemment, je ne vous montre pas l'état des CD. Hein. Ils sont parfaits. À savoir que ça, c'est du Blu-ray. Donc, s'il y a une petite merdouille sur un Blu-ray, tu peux être sûr que le CD est mort. Parce que les Blu-ray ne se resurpassent pas. Ensuite, celui-ci, je le mettrai après. Ah, voilà. Le petit Wally. Alors, celui-ci, je suis vraiment content de l'avoir. Alors, c'est tout con, mais j'adore la jaquette, quoi. Je trouve ça génial. Il est complet. Voilà, voilà. Un petit DBZ Ultimate Taikaichi. Il me semble aussi que je l'ai, celui-ci. Il est complet. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors, celui-ci, je suis assez content. Alors, me huez pas. J'en ai pas fait beaucoup des Ratchet & Clank. Celui-ci, c'est le Ratchet & Clank. J'ai... Force, si j'ai pas... Non, Q force. Point, point, point. Qui est complet. Je sais pas si je vous ai montré la jaquette de face. Voilà. Donc franchement, sympa. Et en plus, je l'ai eu vraiment ce petit lot à un prix dérisoire. Et celui-ci, alors moi, je connais pas du tout. Ça m'a intrigué. C'est le JASF James Advanced Strike Fighter. Bien. Donc je sais pas s'il y en a qui l'a parmi vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi derrière, franchement, ça vend du rêve. Je suis pas très simulation. Celui-ci peut être pas mal. Après, Evolved, je connais pas du tout ces développeurs. Evolved Game. Evolved Game. Donc Wally Walou, le petit Pixar, je crois que je vous l'ai montré. Et avec... Il y avait une petite manette PS3 qui a l'air d'être en bon état. Franchement, les touches ont l'air vraiment, vraiment sympas. Donc voilà, bah, j'ai pas grand chose à vous montrer aujourd'hui. C'est un petit bilan sympa. Rapide, fluide. Hein. On est entre nous, c'est la famille. Et puis, bah, écoutez, surtout continuez de vous abonner. Je remercie Sony pour...
pour son petit coup de pub, c'est gentil. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de ce genre de choses et franchement c'est bien cool. J'ai vu que vous êtes venus quelques-uns vous abonner et je vous en remercie par avance. Mais n'hésitez pas à revenir, emmenez vos amis. Et quant à moi, bah, je vous dis à la prochaine. Et oui, si vous avez des petits coms à faire, s'il y a un jeu qui a retenu votre attention, si vous avez éventuellement des échanges à faire, eh ben propose toujours, on sait jamais. Voilà, voilà. Sur ce, on se dit à la prochaine. On reprend. Sur ce, on se dit à la prochaine. Et surtout, Sony, je le dis ou pas? Et surtout, jouez.